Et après, là c'est les chiottes. Le monde 1, il est là le monde 1. On le cherchait au tout début. Ils l'ont foutu au placard, ils l'ont foutu là-haut. Dis ça à chaque niveau. Bah oui, c'est normal, c'est comme dans Mario en fait. Bah ça c'était le monde 2. Et du coup ils ont tout... Ah, merde. Je pense que c'était fait exprès, mais... Ok, donc c'est le monde 1 là-haut. À la terrasse d'un café, sur une place radieuse, la plupart des clients se détendent, profitant des rayons du soleil et de leurs boissons bien fraîches. Mais ce n'est pas le cas de Tim. Il remarque à peine le soleil et n'a même pas goûté son café. Pour lui, cet endroit lui permet d'observer la ville. Dans les hésitations des passants, dans les mouvements de la main d'une vendeuse qui propose une sélection de thé à un client, Tim espère trouver des indices. Cette nuit-là, au cinéma, des aventuriers fictifs fondent invraisemblablement l'écran. Le public est varié. Certains clients du café sont désormais assis dans de confortables fauteuils, impatients d'assister à une nouvelle distraction qui leur fera oublier l'ennui de leur vie trop facile. Dans d'autres sièges, des pêcheurs et des fermiers espèrent oublier leur longue journée de labeur. Tim est là aussi, est là, lui aussi, mais il scrute le brillant du rouge à lèvres à l'écran ou la fumée d'un hélicoptère qui s'est écrasé. Il pense y discerner un message. À la fermeture du cinéma, le public se disperse en direction du sud. Tim, lui, va au nord. Les gens comme Tim semblent vivre à l'opposé des autres habitants de la ville. Le flux et le reflux toujours à contresens. Tim veut, plus que quiconque, trouver la princesse. Pour Tim, ce serait un moment mémorable, une lumière qui éclairerait le monde, révélerait les secrets longtemps dissimulés et illuminerait ou ferait se matérialiser un palais où l'on pourrait vivre en paix. Et comment les autres habitants percevraient-ils cela, dans ce monde à contre-courant? Cette lumière intense et chaleureuse au début allait bientôt finir par s'éteindre, emportant avec elle le château. C'est comme mettre feu à l'endroit que l'on appelait maison étant enfant. Comme détruire à tout jamais tout espoir de sécurité. Ok. Y'a qu'une salle? Ok. Ah ! Je viens d'y repenser, mais je te conseille comme une chose, Sky, l'enfant de lumière. Ok. What the... Oh, y'a plus de plateforme. Oh, ça va être chaud. Y'a plus d'échelle. Il est grave, il est gratuit. Gratuit ? La princesse, je te tiens. Allez ! Descends ici, qu'est-ce qu'il fait lui ?
Eh, mais Ahmed en plus! Ah, il y a du feu à gauche! Oh. Vite, 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 vite! Ça chauffe le cul! Elle a fait quoi la princesse? Mais. C'est la manivelle! What the fuck? Il faut qu'elle se mine le fion aussi, la princesse! Ça va pas assez vite ce truc là! Oh, ça va faire brûler le cul! Oh! D'accord, c'est 2 pixels près! Ok! Enfin, j'aurais pu monter plus tôt, je me suis merdé une fois là. Ah, 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 je vais mourir. Ah, faut pas se merder à un seul jump quoi. Attends, mais ils sont deux. What? Ah, j'ai compris. Bah non, j'ai pas compris. Ah, t'as brûlé le cul! Comment je passe là? Comment je passe? Mais mon pouvoir, il ne sert qu'à remonter le temps, donc si je remonte le temps de tout l'espace, ainsi que moi. L'anneau? Ah, tu veux dire qu'on a l'anneau là? Non plus. Merde. Ah, on a plus l'anneau. Comment je peux m'en sortir? Tu remontes le temps encore un peu plus loin, tu pourras sauter sur un monstre avant. Ouais, j'ai pensé ça, mais. Genre celui-là, il est pas possible. Hein. Par contre, je pouvais peut-être avoir la manivelle un peu chouillard plus tôt. Aïe. Oh, j'ai touché. Oh, je vois pas, hein, genre.
peut-être que j'ai merdé ma course plus tôt. Il fallait faire mieux le passage. Fallait faire en mode speedrun quoi. Genre ça, voilà. Genre pas là par exemple. Aïe. 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 Bordel! Il est con ce personnage! Ah, j'ai raté. Ah, je passe pas. Attends, je peux peut-être attendre le prochain. Ah non, il va revenir. Ah non, il remonte. Ah. D'accord, vu qu'on a débouché le tuyau. Ok. Plante. 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 Quoi ça? Ah d'accord. Prends les devants, hein, princesse. J'arrive, princesse. Ouais, dehors. C'est un vilain cauchemar. D'accord, mais je fais quoi sinon? Hein? Ça, c'est normal que je puisse faire ça? Et... tout est prévu? Mais c'est là que j'aurais dû aller. Ouais, je peux pas arrêter la marche arrière en fait. Ok. Je peux pas prendre le contrôle de mon personnage. Je peux faire que marche arrière dans le temps. Donc c'est scripté directement. En fait, elle essaie de le tuer là. Ah, la porte a été ouverte. Ah oui, parce que j'ai remonté le temps du coup. Il y avait une clé, il y avait une porte avec une clé et tout. Dans ce sens-là, on dirait qu'elle file de toi, mais c'est ça. Pilogue. Et en fait, elle s'est peut-être enfui en fait avec lui. C'est ça, ce truc en fait. Y'a pas de... y'a rien écrit dans le livre? Bon. Là non plus? Bon. Le garçon demanda à la fille de le suivre, puis il prit sa main. Il la protégerait, il s'échapperait de ce château opprimant en battant en chemin toutes les créatures faites de doutes et de fumée pour vivre libre. Ce garçon voulait protéger son ami. Il lui prit la main et mit son bras autour de ses épaules. Il marcha en la prenant dans ses bras pour la soutenir et la garder proche de lui dans la foule impersonnelle de Manhattan. Ils se dirigèrent vers la station de métro de Canal Street en se frayant un chemin dans la foule.
Non, mais il n'y a pas d'histoire dans ce livre, c'est bizarre. Dans le crâne de singe. Ah voilà. Il utilisa sa règle et son compas, il tira des conclusions. Il fit des déductions. Il étudia attentivement la chute d'une pomme et le mouvement d'un pendule. Il cherchait la princesse et ne s'arrêterait que quand il l'aurait trouvée. Car il avait faim. Ah, il a faim, le dalleux. Il découpa des rats en morceaux pour étudier leur cervelle et implanta des tiges en tungstène dans le crâne de singe assoiffé. What? Et il manque des bouquins là. Les vers, ils sont pas. Il étudia attentivement la chute d'une pomme et le mouvement des globes en métal suspendu à un fil. Grâce à ces indices, il allait trouver la princesse et voir son visage. Après une nuit de bricolage intensif, il s'agenouilla derrière un bunker en plein désert. Il protégea ses yeux d'un verre de soudeur et patienta. Ce moment semblait durer une éternité. Le temps s'était arrêté, l'espace s'était contracté en un point minuscule, comme si la terre s'était ouverte et les cieux s'étaient déchirés. Il se sentit très privilégié, comme s'il avait assisté à la naissance du monde. Quelqu'un près de lui s'exclama. « Ça a marché !» Un autre. « Maintenant, nous sommes tous des bâtards !» What ? C'est bizarre, la narration elle a changé par rapport à tout à l'heure quand même. Remonter le temps, pour quelle raison? Il y a des textes qui auraient disparu? Ah non, il est manuel. Le magasin de bonbons, tout ce qu'il voulait était de l'autre côté de la vitrine. La décoration de ce magasin était très colorée et les parfums qui s'en échappaient lui faisaient perdre ses moyens. Il essaya d'atteindre la porte ou de simplement s'en rapprocher de la vitrine, mais il n'y parvint pas. Elle le retenait de toutes ses forces. Pourquoi cherchait-elle à le retenir? Pourquoi pouvait-il échapper à son emprise? Il envisagea même la violence. Je suis censé aller là-haut. Ah, je suis pas censé aller là-haut, d'accord. Le mec, il aurait passé trois quarts d'assis. Il ne peut pas dire qu'il a tout compris. Son esprit est peut-être encore plus confus qu'avant. Mais tous ces moments auxquels il a réfléchi, quelque chose s'est passé. Ces moments prennent forme dans son esprit, tels des pierres. Il s'agenouille pour attraper la pierre la plus proche. Elle est douce et froide au contact de sa main. Il évalue le poids de cette pierre. Il pense qu'il peut la soulever. Et les autres également. Il peut les assembler pour créer des fondations, un quai, un château. Ok, je comprends toujours pas la narration de ces niveaux, mais pourquoi pas. Pour construire un château d'une taille appropriée, il aura besoin de beaucoup de pierres. Mais ce dont il dispose maintenant, il lui semble satisfaisant pour un début. Clôture, termine le jeu. Hein? Alors, hein, je recommence pas celui-là. What the fuck?
D'accord. Bon. J'aurais pas compris la fin, mais... C'est fini du coup. Bah, il faut croire. Mais elle est où la princesse sinon? Épilogue. Attends, on revient là. Là, du coup, il n'y a rien de plus en fait. Ah, mais en fait, c'était le premier niveau ça? Qui c'est qui a fait ça? Je fais derrière le caillou? Le garçon demanda à la fille de le suivre, c'est qu'il a pris sa main. Ok, si je reste là. Son bras pesait lourd sur ses épaules, il semblait pour elle une vraie contrainte autour de son cou. Tu es un fardeau pour moi avec tes exigences ridicules, dit-elle. Mon corps, tu te diriges dans la mauvaise direction et tu m'emmènes avec toi. Ailleurs, à un autre moment, dans un autre lieu, elle s'exclama, arrête de tirer sur mon bras, tu me fais mal. Quelle dame cachée dans le caillou. What the fuck? Il a marché sur le pied. Caché, ça marche pas? D'accord. Caché là. Ça règle les sons qu'on passe à Dieu. Oh, le taux de son pied! Bon, je sais pas, on continue. Elle est pas derrière le monsieur? Bonhomme? Garçon? Pas derrière le caillou. Y avoir un truc avec la plateforme quand même. Je vois pas comment je peux monter avec la plateforme. Attends, faut peut-être aller en dessous de la plateforme en fait. Un truc, je peux déplacer au lieu, on déplace rien dans ce jeu. Je pourrais monter avec la plateforme. Un truc là. Attends. Ils disent Red Epilogue.
Je dois pas comprendre. Ça, c'est la première fois qu'il marche sur les pieds. Le bouquin. Et remonte après le temps. En plus, il y a un sens! Il fait monte le temps une fois qu'il l'a interpellé ici. Je pense qu'il est perdu, ce monsieur. Ah! Comment il a fait là? Il essaie de faire. Ouais, il fait comme moi. J'étais bien parti en fait. Ah, j'étais bien parti. Et c'était pas déconnant ce que je faisais. Mais il faut jauger genre en seconde. Yo Carbonara! Faut jauger genre ça. Ça c'est le temps d'activation. Et il faudrait après faire ça. Non, il n'y a pas besoin en fait. Faut remonter le temps. La faire redescendre. Pas trop. Et après faire remonter le temps. Je crois que ça remonte pas le temps. On va essayer. Est pas dessus. Ouais, j'ai vu ça aussi. Il était pas dessus, il est juste à côté. Parfois. Hein. Ah mais si je vais pas dessus. Attends longtemps, trop vite ça change rien. Si je vais pas dessus, ça m'affecte du coup. La plateforme ne monte pas si tu es dessus au départ. Tu mets juste un Z de la plateforme pour qu'il. Ah mais oui. Mais non. Ah. J'ai touché le temps. Bon, en plus, parce que c'est une remontée de temps égale une session de. Voilà, faut pas merder ça. What? Attends, attends! Comment j'ai fait? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, ça va. Il faut faire quoi une fois là-haut?
J'ai pas l'air con, super. Il dit quoi sur YouTube, le monsieur? Ah. Il a des messages en plus. Il a des messages en plus parce qu'il a fait la combinaison que j'ai montré tout à l'heure. T'as fini le jeu, t'es monté sur la plateforme. Non mais lui il a activé. Il a fait ça. Il faudrait que je revienne en arrière en fait. Quitter ce monde, aller à la maison. On recommence. Donc là, on va aller lui marcher sur les pieds. C'est décidé. Voilà. Bien fait pour. Ah, bah là, ça a activé là. Je comprends pas, j'essaie juste de faire le pattern de ce que faisait le monsieur dans la vidéo. Donc là, c'est le challenge de la plateforme. Faut que je la fasse reculer. Pas activer celui d'en bas avant de faire le haut. Bah si, mais Yo marche. Oh, quand je fais un x 8 ça marche pas. Ah oh bah c'était simple en fait, je suis juste con. Donc on est là-haut. Et après, ça fait A. Pas A. A. Non. A. Non. A. Non. Ok. On est peut-être là-bas. Un peu du mal à comprendre là, mais en fait ça c'est simple. Faire ça. Alors là, du coup, on fait un reset. On l'a fait descendre, on l'a fait monter. On va faire descendre, on va sur la plateforme. C'est simple. Ah, c'était simple. En fait, j'ai passé encore un quart d'heure pour rien. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur YouTube? Parce qu'après, oui, il y a ce que tu disais, Guillaume, c'est le mec, il a fait il a fait des allers-retours là. Il est monté avec la plateforme. Il est monté sur la plateforme. Il est redescendu avec la plateforme. Et il est remonté. Compris avec le immunité au temps.
Non, il y a un truc avec l'immunité du temps, mais j'ai pas compris. C'est de lire que lire au rouge, il n'y aurait pas une histoire, je suis. Possiblement, c'est ce qu'il fait le mec. Les vidéos sont très intéressantes sur ta chaîne YouTube. T'arrives au mauvais moment, toi. T'as pas vu la vidéo d'aujourd'hui, toi. Non! Ah bon? Tant mieux, tu es au courant, là. Ah voilà, livre rouge. Ils étaient déjà venus ici de leur balade quotidienne. Ses hurlements ne la dérangeaient pas, ni la façon dont ils tiraient sur sa tresse pour l'arrêter. Il était trop petit pour se rendre compte de ce qu'il faisait. Elle le prit dans ses bras. Non, bébé, dit-elle. Il tremblait. Elle suivit son regard, fixé sur les friandises exposées derrière la vitrine. La barre chocolatée et le monopole magnétique. Le tout information et le calcul éthique et bien d'autres choses encore à l'intérieur. Peut-être quand tu seras plus grand bébé, murmura-t-elle en le reposant à terre et en le ramenant à la maison. Peut-être quand tu seras plus grand. Et chaque jour qui suivit, comme elle l'avait fait auparavant, elle continua à prendre le chemin passant devant le magasin de bonbons. Mais attends, mais... Si je relativise, ça veut dire que... Que Tim, c'est un enfant? Que la princesse qu'il convoite est une adulte? Yo, Pixelman! Tout ça pour une histoire de couillard. Attends, est-ce qu'il n'y a rien d'autre là? Parce que je vais regarder quand même jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il va faire sur le nuage, le monsieur? Ça a l'air très clair. J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout de chez rien du tout là. Son voyage au 7e ciel. Ouais, c'est chelou cette fin quand même. Genre, on n'aura jamais fait aussi chelou. Il y a eu des trucs bizarres, mais là, c'est notre planète quoi. Oh!